Bonjour tout le monde, c'est Eti. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la suite de Internet Café Supermarket Simulator 2024. Et on va jouer, on va faire passer les jours, tout ça. Pourquoi ? Parce que on a besoin de tunas, hein, clairement. On a craqué, on a acheté une augmentation à du magasin. Donc, il nous faut de la tunas pour pouvoir tout simplement décorer, play, tout ça. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait chaud. Je vous laisse bien sûr la minute un petit peu de temps. Je fais ceci. Voilà. Ok, ça marche pour tout. Nickel. Non, c'était bon, c'était ça. Facture. Tac. Et puis, la machine à sous. Allez. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Et de 4. 100$, super. Et de 5. Oh, super, on n'est pas très doux aujourd'hui. Allez, on ouvre. Et on va prendre la caisse. Puisque on va faire de la caisse au début pour pouvoir gagner de l'argent. Hop. On va mettre là. Et toi, tu arrêtes les voleurs. Ok ? Ok, The Rock. Waouh. Attends. Mes mains sont tellement plus petites comparées à ton visage. Ah non, là c'est bon. Qu'est-ce que t'es grande. Madame, bonjour. Ah oui, attendez, il y a quelqu'un qui m'a dit un truc de ouf là. J'ai peut-être fait une erreur. Les patates, elles sont là. Bah non, c'est bon, c'est bon prix du marché. Oh, tu m'as fait peur. Oh, j'ai dû modifier par la suite. Oh, j'ai envie de boire un petit jus de frais, là. Un petit jus frais comme eux, là. Smoothie fraise, là. Oh mon dieu. Tu passes ou pas? On va aller acheter à manger vite fait. 4,24 et 4,78. Bonjour Juliette. Alors il me faudrait à manger s'il te plaît. À boire. Et je vais prendre un croissant. Merci. Tu feras gaffe qu'il y a les gens ils ont commandé mais ils sont partis. Bonjour messieurs dames, excusez-moi, il fallait que je me restaure. Pourquoi tu comptes? C'est bon compter. Quoi, t'es pas content, pourquoi? Madame, bonjour. J'ai la musique dans la tête à chaque fois que je pars. Ah, je vous raconte pas quoi. Oh les pattes. Trop vite. Faut vraiment que j'augmente le comment ça s'appelle. La vitesse de bip bip. Waouh, il y en a du monde. Oh, il y a une grosse doudoune en plein été. Ah la vache, comme il doit crever de chaud. La salade de tomate. La sauce tomate, pardon. Après, je vais faire un tour dans le magasin pour récupérer l'argent des voleurs, s'il y en a. Ok. Wow.
Là, là, là aussi, là aussi. Ok, les salles d'arcade sont pleines. Enfin, les salles. Les arcades sont pleines, donc on est très bon. Messieurs, dames, bonjour, je suis à vous. N'ayez pas peur. Après cette rangée-là, on va quitter cette musique qui est très agaçante. Je vais allumer la lumière. $17,000, c'est pas mal. Il en faut plus. Comment il rage? Oh lui il rage. Madame, bonjour. Oh, j'ai soif. J'aurais dû apporter une petite boisson, j'ai totalement oublié. En plus, j'ai fait une boisson. Vous savez, je vous ai déjà parlé de mes petites boissons. C'est les... Vu que je ne bois pas d'eau, je déteste l'eau. En fait, j'ai un problème. J'ai oublié le nom du problème, en fait. Grosso modo, en fait, quand je bois de l'eau, j'ai l'impression de rien boire. Et j'ai l'impression de pas m'hydrater. Alors, je bois. Et voilà. C'est ce qu'il faut pas faire. Du coup, en fait, à chaque fois que mon eau doit être un petit peu aromatisée pour que je sente en fait que je bois. Voilà. Et du coup, j'en ai fait un avec de la papaye. Voilà. C'est une petite eau, une petite poudre, vous savez, que j'achète. Je mets un sachet, ça me fait 750 ml. C'est pas cher, hein, franchement. Ça doit me revenir à 25-30 centimes du coup la bouteille, quoi. Donc c'est vraiment pas cher. Enfin, même moins cher, attendez. Ah ouais, non, 15 centimes la bouteille d'eau. Et différents goûts et tout. Et franchement, la papaye, j'ai goûté un petit peu là, c'était trop bon. Prochain, je vais goûter à la... Mince, comment ça s'appelle? À la goyave. Ça me permet de goûter des saveurs, c'est cool. Je vous invite, hein. Et en plus c'est sans sucre, enfin c'est avec de l'aspartame, et il y en a vraiment très très peu, et c'est hyper bon, voilà. Oh j'ai chaud. Il me reste encore une vidéo à tourner, 4002. Ok, le véhicule s'en est seul. Je vais aller voir si elle avait. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, madame. Bon, d'accord, madame, ok. What? Je suis un kung-fu? Je suis maître kung-fu. Petit potiron, petite tomate. Alors, pas de soupe à cette période. Oula.
Je suis dans le mal là, ça veut pas partir le rouge. Bip, bip. Et en plus, à mon avis, j'ai plein de commandes à faire. Oh la vache. C'est bon, c'est bientôt fini là ou quoi? Ok. Ouais bon, on va aller manger pour récupérer des choses. Voilà. 28 000, ok. On va juste vérifier l'état des trucs. J'ai envie de dire que c'est bon. Quand même tendax certains trucs, mais oula oui, mais on va continuer quand même, on va essayer d'aller vers les 40 000 et ensuite on va faire une grosse commande. C'est quoi ça? Ah oui, du lait. Ou alors on va faire la commande dès que j'ai fini ma file. Voilà. Hop, on va jeter ça. Enfin, on va jeter ça. On va les mettre à sa place. Et on va faire la commande. Alors, hop, on a eu ça. Alors, on est pas mal, on est pas mal. On va essayer d'en avoir un peu 7 partout. Pas trop, pas moins. Ouais, 6, 7. 6, 7. Le truc, je pense que c'est que la directrice, elle a du mal. On a une qui s'est... Il y a quelqu'un qui s'est pris une droite derrière moi là. Boisson. Oh, j'ai trop soif. Oui. Légumes. Ok. Nécessité quotidienne. Ok. Pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal. Ce qu'on va faire. Ok.
Ok. Ah. Est-ce que j'ai besoin d'autant de place sur le supermarché, d'après vous? Est-ce que je ferai pas... On va acheter des cloisons. Des cloisons. Cloisons. Je réfléchis. Ok, c'est celle-là. Celle-là, elle va comme ça. Pourquoi j'ai pris celle-là? Et The Rock? Quoi? Je ne sais plus pourquoi j'ai pris celle-là. Car en fait, j'en ai pas besoin. La violence. Je vais la mettre de côté. Je sais plus pourquoi je l'ai prise. Notre dépotoir, ça va être là. Ah, punaise. Ok. Ça fallait que je le bouge parce que ça me saoulait. Là, ils vont pas pouvoir passer.
Ok. Voilà. Donc je me dis que je pourrais faire une petite rangée d'ordinateur ici, qu'est-ce que vous en pensez? Juste là. Comme ça je laisse un grand chemin pour les salles d'arcade. Ouais, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Ils ont bientôt fini ou pas? Ah, attends, je récupère ça pour le mettre ailleurs en attendant. Voilà. Moi, je peux en mettre. Vas-y, je vais en mettre. Mince. eBay, on va commencer par acheter plusieurs tables. 1, 2, 3, 4. Comme ça, je vais pouvoir les mettre et mettre les cloisons, tout ça, tout ça. Et voir si c'est ok. Je vais mettre ça là, je pense. Et là, en agrandissant encore, ça fera une grande salle d'arcade. Il faudrait que je sois à un super café 35, je crois, pour les autres salles d'arcade. Enfin, les autres arcades, pardon. Ouais, 35, 45, 45. Et quoi? 40? 40? Ouais. C'est dans le loin, quand même. Même si j'aime pas ça, on va essayer quand même d'optimiser la place. C'est ok. Ouais. Alors, comment je te donne ça, par exemple? Ouais, ok. Ouais, ça va. Alors, il me faut deux autres cloisons comme ça. Et les chaises 5 étoiles. 4. 8004. Comment on reprend les objets après?
Ok. On va acheter le reste. C'est-à-dire 4 ordi. 3, 4, 4 moniteurs. 1, 2, 3, 4. 4 claviers roses. 1, 2, 3, 4. 4 souris. 1, 2, 3, 4. Et ça nous revient à 24 000. Ok, ça va. On va poser les ordi. Les ordi, ensuite on va s'arrêter là, je pense. J'ai peur. Alors, tiens. Tiens. Non mais oh. On va les bouillir. Toujours un panier là. Et viendez. On a oublié d'acheter une petite pompe verte. Quoi? Ok. Ok. Plan tempo. 1, 2, 3, 4. Et on va prendre... 1, 2, 3. Ceux-là, ils sont pas mal, j'aime bien.
Voilà. Voilà ce qu'il en est pour aujourd'hui. On va s'arrêter là. Hop, Adam Swift, allez. Bon, on a fait de la caisse. On a fait un nouveau coin pour les PC. La salle d'arcade qui est plus grande, plus éloignée. Peut-être mettre celui-là en noir. On a agrandi le supermarket. La prochaine fois, en fait, je vais regarder comment on peut arranger le supermarket pour qu'il soit un petit peu mieux. C'est la tour qui déconne. Ok. Attendez, ça me perturbe. Je crois qu'il y en a un qui vient de se manger une mandale encore. Ouais, comment faire pour faire des plus jolis rayons pour le côté supermarket. Peut-être aménager un rayon congelé tout là. Ah mais elle me pique encore un truc celle-là. Congelé et fruits et légumes. À voir. À voir. J'ai pas mal d'idées, mais faut les mettre en place. Ouais, si t'arrives à jouer comme ça, frère, je te laisse. Non, mais. Y'a trop de voleurs là-dedans, là, c'est pas possible. Trop de voleurs. Bref, du coup, je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.